Ce soir, nous avons débattu d'une question importante qui est les politiques culturelles au Maroc. Quid des politiques culturelles du Maroc à travers l'histoire. Nous avons essayé d'évoquer 50 ans du Maroc à travers plusieurs variations sur le thème de quelle politique pour ce Maroc, quelle culture pour ce Maroc. Et il y a eu des interventions donc de gens qui ont travaillé sur le sujet, comme Nourdi El Khmari, réalisateur, Mamoun El Hababi, auteur, ou Nabil Behia, qui a écrit un livre justement intitulé « Les politiques culturelles au Maroc à l'âge du numérique ». Ce qui ressort de ce débat, c'est que nous avons véritablement besoin aujourd'hui de créer une société où la culture a toute sa place. Et aujourd'hui, tout le monde a constaté que la culture reste marginalisée, très marginalisée, comme s'il y avait une volonté certaine de marginaliser les artistes, de marginaliser les gens de la culture. Il se trouve aujourd'hui que nous avons besoin de créer une société où la culture tient toute sa place, où la culture devient un véritable levier de développement, levier économique, levier humain. Tant qu'on n'a pas compris que la politique culturelle ou que la culture politique peut jouer ce rôle, nous nous trompons de cible et nous nous trompons de ce Maroc de demain qu'on a envie de construire. Merci beaucoup.